Magnifique lever de soleil dans les 40e. Pas un nuage, c'est assez rare. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est beau. On va aller voir dehors. Une nuit à faire quelques manœuvres. Ça va être plus cher. Salut. Bah, on est toujours en route vers Cap Town. On est un peu moins de 400 000 ce matin, le jour s'est levé là, et 400 000 ça fait à peu près 700 km. Donc on devrait y être en fin de nuit, levé du jour demain. On va rester assez prudent parce que on va avoir à peu près 30 nœuds de vent là, les 12 dernières heures jusqu'en Afrique du Sud, donc un peu plus de mer, mais ça devrait bien se passer. Et voilà, c'est le début d'une nouvelle histoire, un nouveau voyage qu'on va faire avec toute une équipe pour s'occuper de ce trimaran S vers les Arctiques les prochains jours au mieux. Allez, bonne journée à tous et à très vite à terre. Voilà, on a pris un peu de vent, ça y est, on est entre 28 et 39 de vitesse. Voilà, on est toujours dans l'Atlantique Sud. Là, ça va assez vite, c'est assez chouette. La mer est encore plate. Je vais vous montrer les images dehors. Voilà, ça rajoute un peu de stress, hein, mais en tout cas, c'est chouette. Là, ça va vite, le petit nuage là. À part ce. Réhabitué à ses vitesses parce que ça fait une semaine qu'on se traîne à 20 nœuds max. Vu qu'on a cassé l'écoute de grand voile, on n'a plus le système de larguer automatique. Donc là, il faut faire un peu gaffe maintenant. Voilà. En tout cas, on a ouvert les voiles. Le bateau est assez stable. Et on vérifie que l'assiette de la coque est correcte. Il y a le foil qui pousse bien. C'est pas mal. Les trappes touchent à peine l'eau. Voilà, donc là, je dirais qu'on est presque surtoilé pour le moment. Mais comme ça va pas traîner, ça va pas durer. On voit le petit nuage là qui est là. Ça n'a pas duré, donc on va pas faire une manœuvre de voile maintenant. Il faut que je reste attentif, à plus tard. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on est parti de Brest. On est dimanche 21 janvier et on est dans les 40e, mais c'est pas forcément l'ambiance des 40e. Il fait grand beau. Il y a un peu de vent, mais pas trop, et la mer est relativement calme, un petit peu de houle. Tout ça parce que on a un anticyclone qui s'est mis en travers de la route. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, la partie en bleu là, ça c'est l'anticyclone, il n'y a pas de vent. Nous on est le petit bateau orange là et on est obligé de passer au sud tout en restant
au nord de la zone des glaces, ça n'a pas le droit de rentrer là-dedans, c'est interdit. Donc il y a un petit couloir de vent entre l'anticyclone et nous, et bon voilà, c'est pas les routes hyper rapides, mais bon, ça permet de progresser dans l'est. Et puis après, bah voilà, on a bonne espérance qui approche. Voilà, on va Tom la perche qui arrive bientôt pour faire escale. Et nous, on va arriver dans cette zone-là d'ici 2 jours. Donc rentrer dans l'océan Indien. Tout va bien. Voilà, donc bah, tout va bien sinon. On profite du soleil. La lune, la nuit, elle commence à être assez sympa aussi. Il y a une belle luminosité. Et puis voilà, on est tous tranquilles. Allez, bon dimanche à tous. Bye bye.